Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour l'entrée de la CAO pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien. Jeudi, c'est jeudi 29 août 2024. Moi, c'est Jacques Lamélisère, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité électorale aux États-Unis, candidat de principal parti pays a continué à mener campagne pendant que sondage sur intention vote montrait une course très serrée entre vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump. Région Moyen-Orient, deuxième jour opération mortelle l'armée Israël dans Cisjordanie, bilan au moins 16 moun mouri dans tout le Karem. Et puis dans le pays d'Haïti, gouvernement recevra matériel dans main Taïwan pendant une cérémonie qui déroulait jeudi 29 août 2024. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment jeudi c'est jeudi 29 août 2024 et c'est anniversaire Cavalier Paul Canoza nous collaborateur nous Jean-Robert Philippe. Eh ben et nouvelle qui fait tomber là c'est que Haïtien qui était victime en bas mais garde national en bas pont Del Rio en 2021 il était retourné dans tribunal jeudi à dans Washington pour demander réparation pour demander justice. Eh bien, séance l'en fait que sauté là, sans que, eh bien, la justice pas prend yon décision. Et nous t'aigué sous place, Jean-Robert Philippe. T'es spectateur de la Valle d'Amérique, moi, c'est Jean-Robert Philippe, qui salue nous depuis capitale fédérale américaine dans Washington DC, nous devant tribunal, dans district Columbia, côté que parti qui était porté plainte contre le gouvernement américain n'a parlé immigrants haïtiens que et soldats ou bien encore garde national état Texas était calé bien calé et en bas pont Del Rio en 2021 et bien côté que un tribunal a prétendu une autre fois encore pour est-ce que Kaiwa mérité attention. Alors ça qui passé depuis les incidents de passé et donc Haitian Vigilance avec quelques autres entités cap défendre immigrants ben ont porté plainte contre gouvernement fédéral là pour rendre l'administration américaine responsable ça qui passé et également avec état Texas pour rendre responsable ça qui passé avec immigrants. Alors c'était rempli là dans c'était immigrants haïtiens que gendarme Sayo qui était sous cheval ben était calé bien calé avec coup de rigoise pour parce que était justement en bas point côté de peut-être capable d'entrer aux États-Unis pour demander asile ou bien encore demander protection. Eh bien, les gendarmes ont été coupés avec coup de frais de cash. Eh bien, les Haïtiens qui étaient victimes, qui étaient entrés aux États-Unis, mais puis là-dedans, ils ont été pimpés et retournés la caillou en Haïti ou bien refoulés encore au Mexique. Donc, c'est comme ça, les Haïtiens Vigilance avec leur organisation ont porté plainte. Eh bien, plainte ça, en premier temps, le tribunal a été tendu dossier, mais le tribunal n'a pas de bonne réponse dans le moment. Il était et mandé parti concerné puis été retourné au tribunal encore et qui te met plus de temps pour te permettre que victime yo l'autre victime vienne ajouter non sur l'histoire comme plaintif et bien c'est comme ça que tu fais ça et bien donc le fait que tu fais ça mais gouvernement lui-même ça l'a cherché pour tribunal à voir j'étais car comme c'est que car pas gain mérite encore il pas gain raison pour autant délit pour chercher ba victime yo plaintif alors que et avocat yo ensemble gagne à chercher justice avec réparation pour ça qui était passé dans l'époque là en 2021 en bas pont Del Rio dans l'état Texas monsieur Jean-Robert Philippe qui devant tribunal là et pour VOA créole. Merci Jean-Robert Philippe, docteur Tako nous t'ai dit en commencement programme là et ben c'est que séance la fait fini là mais pas gagne une décision qui prend sous Haïtien Sayo qui était victime en bas pont Del Rio au Texas en 2021 et ben yo même yo t'ai allé pour yo demander justice avec réparation donc pourquoi gagne qui sorti dans tribunal et Jean-Robert Philippe est sous place très naturellement là pour le parler avec quelques acteurs quelques dirigeants qui gain rapport avec cause ici là. N'après t'es toujours ici aux États-Unis pour nous parler de élection, c'est fièvre électoral ici aux États-Unis côté candidat de principal parti qui prend dans élection 5 novembre, et ben yo même yo continuer à mener campagne. Nous pral rejoindre Valérie Saint-Louis. Été 2024 ça pral rentrer dans l'histoire américaine comme une saison qui pi rempli avec événements politiques inattendus et puis en pile surprise. En alré ouais événement qui t'est passé yo. Tout bagay te commencé dans jour 27 juin ça. Lesa, ancien président Donald Trump et président Joe Biden te rencontré dans état Atlanta pour un débat. C'était un moment critique dans ça que c'était analyste relé débat revanche entre deux candidats. Performance Joe Biden dans débat était très faible avec un pile mamotement, il t'a bité sous moli, il y a des moments il était crampé pas parler, il était paraît gêné. Tout bagay ça était alarmé démocrate et puis augmenté doute sur capacité Joe Biden pour battre Donald Trump dans l'élection novembre.
Nathan Lynette, qui son thérapeute, réagit là ça. It was really hard to watch. Il était vraiment difficile pour me garder débat. C'est un coup moi te voulais courir faire mes télévisions. Mais moi quand même prend balle moi au front. Trevor Borden, un entrepreneur technologie, te réagit tout là ça. Ça c'est un coup se retourner derrière qu'a fait là. Hier soir c'était un débat entre un zombie contre un imbécile. Mais Joe Biden ensemble avec équipe campagne a dit que c'était juste une mauvaise nuit. Il était insisté que le t'a poussé pour pied devant à campagne. Moi, je pas marcher aussi bien que moi t'ai connu marcher avant. Moi, pas parler bien tant que moi t'ai connu faire avant. Moi, pas débattre aussi bien que moi t'ai connu faire. Mais moi connais ça, moi connais. Moi connais qui gens pour me dire la vérité. Après ça, c'était date 13 juillet, dans quartier Butler, État Pennsylvanie. Yon assassin t'a ouvri cartouche balle, tiré sous Donald Trump pendant yon rassemblement campagne. Yon cartouche t'a frotté bos oreilles ancien président, et assassin t'a touye yon moun dans foule là. Tentative assassinat te fait nation saisie et li te remette devanger tout moun menace violence politique yo. Rennie White qui ton témoin le sa te parlé. You know, when I was standing up yesterday and everybody was telling me sit down. Ou konnen, lèm te campé et puis tout moun te dit m'chita, moi te tan kou paralysé. Et moi te dit tête moi si pou m'pren yon bal, moi ta content pren li pou nom sa. C'est li qui campé pour nous. Deux jours après tentative assassinat sa, convention nationale parti républicain te commencé dans ville Milwaukee. Pendant que le te accepté nomination officielle li pou candidat à la présidence, Donald Trump te parler de jou ça, ça qui t'est passé dans Pennsylvania. It can only be a bullet. C'est un cartouche pour tailler et puis moi t'ai déplacé même moi dans oreille moi, mais moi t'ai couvert accent, t'ai gain sang tout côté. Et puis vient tomber kounya là dans date 21 juillet. En bas pression qu'a monté dans mi-temps démocratio, Joe Biden t'est prêt à annoncer que li t'ai metté fin dans intention li pour continuer campagne là pour réélection li pour un deuxième mandat. Devant Maison Blanche, il y a tout le monde qui vient balle support et te gen l'autre monde qui même te vient juste garder ça que t'as pral passé. Président Joe Biden. I've given my heart and my soul to our nation. Moi bay nation tout kem ak nan mwen. Tant pou en pile l'autre monde. Moi te béni yon million fois et tout. Joe Biden après ça te mette si poli derrière vice-président li Kamala Harris pour prendre mariette la face avec Donald Trump. Ça qui te déclenché yon réveil ak en pile énergie dans parti démocrate là. Et c'est comme ça que après ça Kamala Harris t'est venu participer dans la convention nationale parti démocrate là dans Chicago côté que t'est accepté officiellement nomination parti a pour candidat à la présidence. Let's get out there. Let's vote for it. On sorti met quoi nous dehors. On goumen pour lui. On vote pour lui et puis ensemble on écrit prochain gros chapitre dans histoire qui pi extraordinaire qui t'est jamais raconté a. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc c'est un chapitre électoral là dans chaque programme n'a pas un chapitre électoral parce que quand y en a vivion fièvre électorale ici aux États-Unis et intention de voter montrer que pral gagner un course serré entre Kamala Harris avec ancien président Donald Trump et d'après nouvelle Kamala Harris avec Tim Walz y a gain pour yo bay yo interview à chaîne télévision CNN. N'a l'autre point d'actualité à conseiller sécurité nationale Jake Sullivan saute visiter la Chine côté le tap essayer améliorer relations américano-chinoises là. Sandra Lemaire gain détail. Conseiller sécurité nationale États-Unis Jake Sullivan clôturé visite 3 juillet dans la Chine. Visite là, t'es gain comme but pour qu'un peu communication ouvert à un pays qui était dans 10 années avec États-Unis pendant l'année qui passait. Sullivan a fait première visite là dans la Chine en tant que principal conseiller président Joe Biden sous question sécurité nationale. Puis bonheur dans la journée, hein, il était rencontré président de la Chine, Xi Jinping, ministre des Affaires étrangères Wang Yi, avec un général replacé Commission militaire centrale, la Chine. Le président Biden dit clairement qu'il prend engagement pour maintenir une relation importante ça, de façon responsable. Objectif, nous, chaque fois nous engager avec la Chine, c'est pour des résultats pour le peuple américain. En bas leadership du président Biden, États-Unis pourra continuer à avancer intérêts avec principes et puis protéger les pays en mille. Normalement, on a fait ça, nous croyons compétition avec la Chine, pas obligé de déboucher sous conflit ou bien confrontation. Cléa s'est gérée de façon responsable à travers diplomatie. États-Unis avec la Chine dos à dos sous diverses questions, sorti depuis sécurité globale, pour arriver dans la mer sud-chinois, politique industrielle, automobile électrique et fabrication panel solaire.
Visite Sullivan nan visait empêcher tension sa yo qui était en main en 2018 augmenter et puis tourner en conflit tout bon. Chi bon côté pali soulignait que monde nan a fait face à grand pile changement ak turbulence et que au besoin solidarité à coordination pas confrontation. Li ajouté moun vle transparence ak progrès pas exclusion ak politique qui pas à la mode encore. Tous deux gouvernements yo vle kembe relation yo nan niveau équilibré avant changement présidence États-Unis nan mois de janvier 2025. La Chine ak États-Unis di yo prend engagement pour maintenir relation yo et puis rapoursuivre rencontre Xi avec Biden te fait nan San Francisco nan mois de novembre année passée. Deux pays yo d'accord pour travail pour organiser un appel téléphonique entre Xi ak Biden nan semaine kap vini yo et Sullivan indiqué deux leaders yo ta capable rencontrer en personne face à face pendant sommet coopération économique Asie-Pacifique là kap gen participation 20 pays Pita Anessa. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Avant nous quitter l'actualité haïtienne aux États-Unis, nous avons dit que un groupe immigrant haïtien que garde national était calé dans un bapon Del Rio au Texas, et bien au retourné jeudi à dans tribunal dans Washington DC pour demander justice à réparation pour insulte qui était passée en 2021. Administration a mandé tribunal là pour voyer jeter demande immigrant qui pas gain mérite d'après ça envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe fait nous connaître n'a pas aller dans région Moyen-Orient en pile monde continue mourir dans Gaza pendant deux opérations là mais Israël mené dans tout le calme et dans Jenin nous dans Cisjordanie pendant temps ça ministre Union européenne yo réuni pour un chita parler sur ça qui passé dans Moyen-Orient détail avec Gentil Augustin Junior. L'armée israélienne dit jeudi 29 d'août 2024 là que troupes liyo touye 5 combattants palestiniens qui étaient cachés en dedans une mosquée dans Tolkham dans Cisjordanie. Nous t'ai dormi et puis nous levé en bas coup de zam vers 3h30 matin. Moi t'ai réveillé madame moi pour dire l'armée a tiré sous Kaila. Nous t'ai couru à l'autre chambre là, yo t'ai lancé un rocket. Petit garçon ak madame li t'es dans deuxième étage là. Yo frappé ak yon roket et puis Kayla t'écrasé plate à terre. Kay prend di fe pendant yo continue à tirer roket sou li. Nou pat konnen kote pour nous aller. Opération an ki d'après yon témoin Waters poko fini. T'es commencé nan premier aide temps yo nan mercredi ak plusieurs troupes l'armée Israël là qui te gen hélicoptère, drone ak machine blindée qui attaquent ville Tulkam, Jenin ak Valley Jourdain. Pendant temps ça, ministre Affaires étrangères Union européenne yo rencontré nan Bruxelles jeudi 29 d'août 2024 là pour yon chita parler qui pas officiel qui concentré sur la guerre en Ukraine ak Gaza. Et puis tout sous élection en Venezuela, Annalena Baerbock, ministre Affaires étrangères allemande, dit: yon suspend tiré pour raison humanitaire dans Moyen-Orient, puis nécessaire kounye ya passer toutes les. Quant à pour otage yo qui toujours en bas main Hamas, li difficile pour imaginer ça. Li difficile pour konnen si moun pau ki en otage nan Gaza vivant toujours. Si span tire humanité sa, nécessaire tout pour 2 millions résidents yo nan Gaza. Anvan réunion an, un pile gros diplomate union an te exprimé tout inquiétude yo concernant situation nan Gaza. Yo mandé yon accord pour si span tire et puis la gè otage yo. Même jan tout, kek parents otages israéliens manifestés pour mander gouvernement Israël là dégager le coumet Jean-Jacques fait otage retourner la caillou. Jill Dirkman, ses cousins otages israéliens Carmel Gate, lui dit: si Netanyahu pas arrivé joignon accord et puis la gué otage, laisse ça nous pral la gué yo. Nous ab vini pour la gué yo. Fami otage israélien yo ki nan Gaza manifesté tout près frontière ya jeudi 29 d'août 2024 la.
pour mander yon accord qui a bay garantie pour la gè otage yo. Groupe la te pote photo ak chemise ki marqué ak penti rouge et yo te rassemblé nan kibbutz Nirim nan sid Israël. Environ 2 km ak fontyè ya. Yo te commencé lancer message l'amour ak sipò pendant yo t'ap parlé en face fontyè Gaza. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien. L'autre point dans l'actualité internationale là, dans le pays Ukraine, yon groupe moun te rassemblé sous place Mikhail Livaska pour rendre hommage dans mémoire soldat qui était tombé sous champ de bataille. Eh ben, cérémonie ça a déroulé en présence magistrat Villa Vitali Klitschko. Joue ça a marqué 10e anniversaire bataille Ukraine là aussi. Nous voulons parler de guerre Ilo Vaiskla, jodi 29 août là côté que eh ben moun yo te vini ou tan kou nou kapabwèl là yo pote fleur et yo pote des un paquet de pièces que yo mette nan engin militaire. Donc ça son façon pour te honorer mémoire soldat sa yo qui te mouri nan guerre ça et tan kou nou dit déjà il était cérémonie déroulée en présence Vitali Klitschko qui c'est magistrat Villa. Et puis yon l'autre côté pendant ce temps gagnent deux patio qui intensifie attaque Ukraine dit la Russie te fait yon gros attaque aérien sous li pour yon troisième fois dans 4 jours yon lancé missile ak drone que yon même yon te intercepté quelque là-dedans. Ukraine dit jeudi a force russe te tiré 5 missiles et lancé 34 drones. Et puis Ukraine bon côté pas li mené tout attaque et ben yon vidéo l'armée montré Ukraine cap lagi grenade sous force russe dans région Kursk là. Faut dire que agence Reuters pas de gagner et précision sous exactement côté ça arrivé mais elle nous capable vidéo ça cap monter Ukraine cap lagi grenade sous force russe. Ou souvé ou créole ou suivi un programme dans langue créole haïtien pas déplacé actualité dans pays d'Haïti. Dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché sous VOA Creole alors que la présenté au programme dans langue créole haïtienne. Actualité à concernant pays d'Haïti, ambassadeur taïwanais Web Jang Ku remet yon lot équipement sécurité individuelle à premier ministre Gary Kony pour la police nationale et l'armée d'Haïti. Steven Aristil est présent pendant la cérémonie ça. Ambassade pays Taïwan nan Haïti Web Jang Ku te organisé une cérémonie côté li te remet yon lot équipement sécurité individuelle ak premier ministre Gary Kony pour police nationale ak force l'armée d'Haïti. Dans cadre activité si la, ambassade a fait konnen équipement sa yo fabriqué selon besoin policier ak soldat l'armée d'Haïti yo. Kit sa ou gen nan yo, casque balistique, gilet pare-balles, genouillère tactique, poche pour mettre chargeur, cagoule, gants qui très résistant ak lunette protection. Toujours dans le pays d'Haïti, trois conseillers qui impliqués dans le scandale et corruption BNCA y répondent question ULCC parallèlement CARICOM mandé pour t'amener sous côté pendant une réunion avec secteur. Reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Ministère de Justice et Sécurité publique voulait joindre liste complète personnalité haïtienne qui sanctionnait beaucoup de pays étrangers. Les mandés, tout preuve et indice qui capable justifier sanction ça. Correspondance pour mandé information ça déjà à joindre ministère affaires étrangères à qu'il dans l'idée pour le transmettre yo by ambassade pays concerné yo. N'a pas rappelé pays les États-Unis, Canada et République Dominicaine, c'est parmi pays qui imposent sanctions à membres élite économique et politique pays d'Haïti yo.
Dernière personnalité, pays les États-Unis fait sanctionner, c'est ancien président Michel Martelly pour question drogue et parrainage activité criminelle. Liste complète personnalité qui sanctionné au doit gagner dans tout et charge et preuve qui justifier sanction yo selon dirigeant haïtien yo. Initiative ça bon côté autorité haïtienne inscrit dans une démarche suivi national dossier selon information Véroa Créole joint souterrain. N'a pas rappelé que premier ministre Guy Koni était encouragé ministère de la justice pour demander information claire sur dossier sanctionné yo bon côté pays qui prend sanction yo. Chef gouvernement t'a fait déclaration ça pendant une visite semaine passée dans nos pays. Moi c'est Yves Manuel, Déby Port-au-Prince pour Véroa Créole. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti et pour nous parler de activité électorale, ben conseil présidentiel transition pas arrivé kembe date 28 août là, l'été bail pour mettre campé conseil électoral provisoire à cause majorité secteur yo poko entendre pour voyer un représentant dans institution. Nous gain sous place dans Port-au-Prince ou dans tout ça. Conseil présidentiel transition pas respecté date 28 août 2024 là comme date limite l'été bail pour former conseil électoral provisoire à cause majorité secteur yo pour qu'on transmette non représentant yo par rapport à division qui existait dans mitan yo sous 9 secteurs jusqu'à mercredi 28 août 2024 là c'est seulement 3 qui déjà transmettent non représentant respectif yo l'église catholique la presse et secteur douamoun nan secteur syndical haïtien censé conclure tout sous yon seul nom mettre sa nom Nimrod. Sauf que groupe professeur Josué Mérilien dit faut que t'aies plus consensus sous choix ça. Pour l'autre secteur yo tant coup vaudou défense droit femme ak protestant yo yo tout voyé deux noms by capitaine. Mais selon capitaine yo doit entendre yo sur un seul nom. Frenel Joseph qui c'est responsable cause ça au niveau conseil présidentiel transition dit regrette en pile d'être ça pas respecté. Li encourager secteur qui pokoka entendre yo pour yo assumer responsabilité yo dans cadre formation institution électorale cap gen comme principale mission organiser référendum qui lié à révision constitution à organisation élection générale yo en dans pays d'Haïti pour renouveler personnel politique là à remettre campé institution démocratique yo. Conseil présidentiel transition te bay secteur impliqué yo jusqu'à 26 août passé ya pour te transmettre non représentant yo pour qu'aipi a te capable mettre en place 28 août 2024. En pile citoyen attend yo à ce que autorité yo réunit conditions appropriées pour mettre campé structure électorale là avant 1er septembre 2024. D'après ça yo dit chaque jour compté sous cause ça puisque élection a important en pile pour que 7 février 2026, yon président élu prend maïd la, j'en sa prévoit dans l'accord 3 avril 2024. Ouenan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Dans moment n'a parlé là dans Liga qui se championnat de première division espagnole là, et ben Las Palmas a mené 1-0 sous Real Madrid. N'a pas tourné dans l'actualité là concernant pays d'Haïti, Ofatma profité de 57e anniversaire création pour inaugurer un nouveau centre urgence moderne dans Cap-Haïtien deuxième ville pays là, Gérard Maxino. Inauguration centre hospitalier ça a réalisé mercredi 28 août 2024 là en présence plusieurs invités de marque. Parmi eux, ministre Affaires sociales, Georges Wilbert Franck, écrit général ministère ça, Marie Hérole Michel, DG Ofatma, Dr. Carl François, et magistrat en après Ville Cap-Haïtien, Patrick Almonor. Monsieur Almonor déclaré, Ville Cap-Haïtien a besoin d'un centre hospitalier moderne. Magistrat a souhaité centre ça bien géré. Aujourd'hui, avec la construction de ce centre hospitalier moderne, je veux dire sur le plan sanitaire, que le public peut concurrencer le privé en termes de disponibilité du service. Aujourd'hui, l'inauguration de ce centre hospitalier moderne coïncide directement avec la vision que vend la municipalité capoise, à un moment où le Nord est considéré comme une destination. Et comme destination, la gestion sanitaire doit être une priorité.
Nous ne pouvons pas parler de destination si par un hôpital qui a reçu le voie touristique. Là, on a un problème. Si on a un petit dérangement, si on a un problème, il faut un côté qui descend, qui a reçu le voie. Ça va aller au venir, il ne va pas finir encore. Selon le directeur général OFATMA, Dr. Carl François, l'hôpital ça a déjà gagné 20 chambres qui sont disponibles sur 60 et pour le bail service, pédiatrie, chirurgie, médecine interne, maternité, orthopédie, radiologie, actualise. Ceci est la première phase de l'hôpital qui aura normalement 60 chambres à son terme. Nous sommes en train d'inaugurer les 20 premières chambres. Et les différents services qui vont être fournis reviennent non seulement aux assurés, mais à la population du Nord en général. Donc on a modifié l'ancien nom. Ce n'est pas uniquement un hôpital pour Cap-Haïtien, mais c'est un hôpital pour le département du Nord qui est en train d'avoir un essor économique extrêmement intéressant et qui mérite justement un hôpital de ce niveau. Donc ce que je dirais, c'est ce que plusieurs états disent, que c'est un hôpital de niveau international. Ministre Affaires Sociales et Travail, Georges Wilbert Franck, explique au FATPA une permission par meilleure qualité de soins de santé à moun qui assuré, mais tout à sa yo qui pas assuré. Nouveau l'hôpital au FATPA sa nan ville Cap-Haïtien gen 19 chambres, des salles opération ak équipement moderne, yon bloc maternité pour bay femme enceinte ak ti bébé la soignage. Li gen tout 4 salles consultation ak yon laboratoire. Inauguration réalisée même jour anniversaire au FATPA qui se 28 d'août. Institution ça a gagné 57 années depuis l'y créé dans le pays d'Haïti. Gira Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Merci Gérard Maxino, nous pratiquement arrivé dans fin programme là. On va aller d'abord n'a rappeler quelques grands points cap dominé actualité a. Et ben candidat de principal parti et dans ici aux États-Unis, et ben yo mené campagne et sondage sous intention vote yo montré que pral gagner yon coup serré ou bien gagner déjà yon coup serré entre ancien président Donald Trump et vice-président Kamala Harris. Et puis dans la région Moyen-Orient, deuxième journée opération l'armée Israël dans Cisjordanie, bilan au moins 16 monde perdu la vie surtout dans tout le Karem dans Cisjordanie. Et puis dans le pays d'Haïti, gouvernement recevoir matériel dans mais Taïwan pendant une cérémonie qui déroulait jeudi 29 août là. Et puis ici aux États-Unis, il y a un groupe migrant haïtien et garde national t'est attaqué, t'est calé dans Pont del Rio en 2021, il est retourné jeudi encore dans tribunal dans Washington pour demander justice à réparation. Et ben décision c'est que administration mandé tribunal là pour voyer jeter et demande migrant qui pague mérite. Donc tribunal a sorti sans que pas vraiment prend une décision sur cas. Nous t'ai sous place Jean-Robert Philippe qui lui-même la gain pour présenter nous encore l'autre détail parce que t'ai sous place tout responsable Asian Bridge Alliance qui était présent dans rencontre là. Et puis dans football, surtout dans championnat dans Liga qui c'est championnat première division en Espagne, et ben d'abord gain Jérôme qui a mené 4-0 sous Osasuna, et puis gain Las Palmas lui même l'a mené 1-0 sous Real Madrid. Et ben gain pile monde qui commence critiquer Kylian Mbappé qui depuis Liga a commencé monsieur pas vraiment bay en rien dans garde là li poko marqué bien que yo retiré Super Coupe d'Europe là côté que monsieur t'ai fait yon goal dans victoire 2-0 Real Madrid là, mais pendant ce temps monsieur pas bay rien dans garde là dans Liga poko marqué yon grand goal. Donc ce match que n'a vous parce que match a li poko fini ni match et Osasuna poko fini. Mes amis, c'est un plaisir comme d'habitude pour te servir. Pabli jodi a son grand jour pour nous pour service créole là parce que n'a célébré yon ami, yon frère, yon collaborateur, yon infatigable. N'a parlé de Jean-Robert Philippe alias Jean-O, son nègre qui infatigable, qui toujours sous travail. Eh ben il faut le faire, nous saluer et nous dire que nous remen en pile et nous souhaiter tout ça qui bon pour lui et nous grand pile surprise pour lui. Eh ben Kevela Palagé, surtout dans nos services que là et dans nos chefs de service là, Sandra Lemaire. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain.
mettez avec conseil présidentiel, avec des gérants mon ami, il y a pris toute disposition pour être capable de mettre les policiers dans conditions de travail. Ça veut dire qui ça? Mettez prime de expouillot et prendre de engagement, prendre de décision pour que vous capable de permettre que et vous arrivez les policiers ont amené de opération, les policiers ont fait de action et à l'opération, mais si vous victime, mais si vous avez mouru, pour être capable d'accompagner les policiers et les familles policiers. Et n'a dit désir, PM Gary Conille clairement dit que, ouais, pas ouais, l'État a repris contrôle pays. Ouais, pas ouais, l'État a repris contrôle pays. Ouais, pas ouais, l'État a repris contrôle pays. Pour une capacité PM Gary Conille. Malheureusement, désir, Venesse, dans une équipe de mercredi 18 août, la police a gagné une victime, c'est policier Michel. Les mêmes Pierre qui les mêmes tombé en babal bandi dans Delma 75 rue Cassayol 12 prolongé dans Catalpa bandi touyeli que pas arrivé identifier et policier là qui dans machine privée et qui était en uniforme que bandi au vide balle sous lui et dans constat juge de paix mais gagné pas 13 impact à cartouche que joigne sous machine policier là désir venesse et là dit moment là parler là situation compliquée dans Crécier qui côté Bouba passé qui côté bébé Bougoy passé, qui côté Kilibouay passé, qui côté barbecue est dans moment, qui côté Kempes est dans moment. C'est un pile mobilisation qu'a fait Désir Venesse, bagarre très compliqué. Mais Désir, moi certain que j'ai des informations, j'ai une opération de la police menée 27 là dans Bel Air. Très bien. Blaise Peterson, gagne divers militaires qui dans l'armée d'Haïti, gagne divers policiers qui dans unité spécialisée, qui parlait avec nous, Blaise Peterson. Yo di nou pa gen innocent nan Bel Air parce que toute population arrangé yo y a tiré bouteille à coute roche sur policier yo nan moment yo t'ap mené opération. Je di Blaise Peterson organisation k'ap défendre droit moun yo. Yo besoin prendre note de ça. Si population arrangé y a tiré bouteille, y a tiré roche, y a tiré cocktail Molotov sur policier yo pendant y a mené opération, eh bien yo se soldat nan gang ke Kempes ap dirije en dedans Cité Soleil là. Et différent l'autre chef gang qui en dedans Blaise Peterson. Pour de quoi? Les la police fait travail li, les militaires yo fait travail yo pour pas gagner organisation droit moun qui pral dénoncer, qui pral empêcher policier fait travail yo dans situation fragile qui gen là. Je dis à les on moun ou di ou red belé. C'est pas sous pression non? Bon dia pour attirer coup de roche, pour attirer coup de bouteille, pour attirer cocktail Molotov sous policier. C'est responsabilité ou tout plan. Ou tout dit automatiquement, ou c'est mob actif, gang yo. Militaire ou plein en pile de ça. Yo dis, y a si de ça yo, quand pile nek qui gen gros voix dans presse traditionnelle là, qui connaît situation, qui pas dénoncé. Mais pour se yo même, ensemble, moun Cité Soleil yo, pral gen la presse qui pral parler pour yo. Comme yo parle ak nous. Blaise Peterson, non mais cette nouvelle, Blaise Info, Pain Nouvelle, votre calbas info, Racine Nouvelle Haïti, yo quoi qui a fait travail, qui sans pareil, à tout équilibre sans force côté, eh bien, vous partagez avec nous, nous attirer attention, organisation Cap Défendre Droit Mounio, nous attirer attention, l'autre confrère, si vous ne connaissez pas ça qui a passé dans Cité Soleil, pendant que les policiers ont mené l'opération Blaise Peterson. Pierre Espérance, qui t'a parlé sous Magic 9, 28 d'août 2024, là, eh bien, il dit qu'il y a une nécessité. Pour Haïti réviser caloté opération ou bien coopération qu'il a fait avec les États-Unis dans le domaine bataille contre cartel drogue qui a alimenté en dedans pays qui rend que situation très difficile. Li dit corruption à crime organisé en dedans pays a li important pour Haïti tant que Colombie gagne coopération qualité défense avec les États-Unis dans bataille contre cartel drogue et considération que essayer donc regarder. Et qui mal que cartel ça yo la cause société a connu des situations très difficiles. Pendant après c'est donc regarder si au cap prendre sanction contre Michel Joseph Matéli selon Pierre Espérance bagalal plus loin que ça Blaise Peterson yo de arranger parce que c'est un enchaînement criminel yo fait pour affaiblir la justice pour affaiblir force de l'audio et bien pas un garçon ak femme honnête je dis hein que vous tendez dans un scandale dans ça qu'il y a avec question corruption. RNDDH continue dans question scandale Blaise Peterson. RNDDH déploré absence la justice sorti dans année 2021. OK? Dans cas Magali habitant ça qui est pour avec champ affaires financières dans cour supérieure des comptes dans litige qui gagné dans ça qu'il y a avec question grief administratif qu'elle condamné et Magali habitant qui a arrangé pour le retourner dans trésor et public là encore une autre fois à travers et SMCRS.
li avance yon somme. Li ta fait quoi que Magali habitant te blanchi Blaise Peterson pendant li te nan institution. Li parle de yon affaire de 38 milliards. OK? 38 milliards. 8,879,776,071 goud que Magali habitant te arrangé qui te disparaît pendant le tap géré institution si là. Li mandé Pierre Espérance pour parler dans correspondance à travers RNDDH, yo adressé avec commissaire gouvernement Lionel Gaston, Lionel Constant, pour yon mande avec doyen tribunal là, vous voulez parler de Bernard Saint-Ville, pour yon arrange yon, pour yon reprend dossier si là, qui ka permet Magali habitant restituer 38 milliards et 879 millions 776 000 71 goud qui te disparaît et pendant Magali habitant tap géré SMGRS Blaise Peterson. Amnesty International parler avec République Dominicaine Blaise Peterson. Yo parler avec Luis Abinadel pour yo bay respect avec droit haïtien yo k'ap vive en République Dominicaine. Dans façon que yo a traité compatriotes nou ki en République Dominicaine, et bien Amnesty International foue bouche nan cause ya. Ça qui gen pouwè avec processus nan conseil électoral provisoire qui concerne mesdames yo Blaise Peterson, yo recommencé avec processus nomination dans conseil électoral provisoire, yo rele KEP secteur organisation FAMIO, résultat processus juillet à août 2024, eh bien Marie Rebecca Guillaume et qui Angel à travers comité organisateur CAIFAM et dans fondation Toya et qui CRIFAM Haïti sofa yo entendre pour au moins que cap vraiment bre bagala permettre que mesdames yo yon pi bon représentation dans ça qui pour avec conseil et électoral provisoire. Enquêteur ILCC yo tande nan date qui était 27 d'août la Blaise Peterson. Yon après l'autre trois conseillers qui impliqués dans un scandale corruption BNC. En plus question à poser. Qui ça fait? C'est pas ILCC, non cas chez dans des messieurs. C'est messieurs qui portent tête yo dans ILCC. En pile mon a posé tête question. Qui les volant te loyal comme ça? En pile nan nèg yo a essayé jouer avec ça que k'ap gen comme influence sous enquêteur parce que ouais les ILCC sorti rapport yo yo arrêté moun yo et bien à travers la justice yo fermé levé y aller dans habeas corpus pour ka mettre moun yo dehors. Est-ce que c'est ça que conseiller a choisi faire pendant CARICOM li continuer à demander avec parti qui voyait trois conseillers présidentiels ça dans conseil présidentiel transition pour écarter des processus les personnes parce que dit situation très difficile et je dis c'est pas pour ça que monsieur est venu. C'est pour te changer condition. La vie peuple haïtien qui était très difficile, là on est venu, on était dit capable. Et ben gros sam qui croit pas qu'il preuve pour acquiser trois conseillers présidentiels yo dans un scandale BNCA, il dit c'est une fabrication politique pour trois conseillers présidentiels yo, m'a parlé des responsables et gros sam non, on veut parler des les comptes d'or et qui croit c'est un coup d'état classique qu'a planifié pour craser conseil présidentiel transition. Il y a quelques haïtiens qui tout partout qu'a dit si coulève et cette tête de queue a t'arrivé craser, il pas en mal parce que jusqu'à présent c'est trésor public là, il y a dilapidé et prend plus policiers possible pour barrer sécurité pour la population par insécurité Blaise Peterson. Deuxièmement, c'est que ensemble de points ça important qu'on analyser là dans l'émission ça aujourd'hui hein? Et dans question conseil électoral provisoire là, c'est que c'est vendredi week-end ça là que gouvernement mettait avec un conseil présidentiel Tadgui rendre public non ensemble et représentant différents secteurs qui va faire partie conseil électoral provisoire là qui Tadgui pour organiser élection et on dit d'ici année prochaine peut-être pas connait si c'est mois juillet si c'est mois d'août pas connait qui ça là hein? Mais moi certain que c'est dans la période ça que élection organisé et bien que PM Gary Kounitri a côté pendant semaine non avec ambassade américain Haïti à Denis Hankins et était l'autre responsable dans question élection qui était chita pendant ensemble avec eux pour garder comment que yo pral rivé établi de disposition pour organiser élection mais pas oublier n'a dit clairement que pas qu'a gagner élection dans pays ça si pas gagner sécurité ou dans des mois je a filé les épaules ou élection l'attend et bien pas qu'a gagner élection dans pays ça si pas gagner sécurité. Quelqu'un soit femme à garçon qui a fait les épaules là, qui a fait les marrons les manchettes collines là pour aller à l'élection, eh bien, depuis pas de sécurité, pas de élection, et dans ce sens ça, et tout secteur, tout acteur, tout doué engagé pour que yo capable de permettre que yo rétablir la sécurité dans le pays. Yo doit dégager comme Jean-Jacques et prendre toute disposition pour yo arriver à rétablir la sécurité. L'ordre, sécurité, la paix en un pays. Et c'est une obligation pour rétablir l'ordre, sécurité, la paix en un pays.
et tout secteur, tout groupe coréen, c'est quoi les épaules pour que l'élection et sécurité capable d'établir dans le pays. Et si nous ne sommes pas conscients, pas d'accord et ne pas prendre ça en termes de charge, en termes de responsabilité, jusqu'à présent, nous n'avons compris que pas de volonté. Mais tout secteur, tout acteur, tout monde, tout individu, tout particulier qui veut que, pour qui dit que, il y a même besoin de l'élection, mais il faut qu'il y ait sécurité. Désir, nous allons venir avec PM Guy Koning. Et dans la visite, ça qu'il fait, nous avons visité trois policiers SWAT qui ont même été recevoir balle. Dans quatre opérations qui ont été menées en dedans, et Bel Air solide de l'autre côté encore, même pas nous mentir désir, PM n'a dit en pile causé. PM Guy Koning dit en pile causé, et nous allons inviter nous à sa PM n'a dit. Et bon venir avec on l'autre parce que ça déclaration ça qualité extraordinaire la patron Chita bon garder entre temps des on nous venir avec causer ça que comportement moun nan quartier Bel Air gagne très bien bonne situation je dis nan ensemble quartier côté qui gagne gang yo en pile fois nous d'accord que monsieur qui gagne zam illégal nan men yo qui constitue caïd criminel yo nan région métropolitaine nan ou bien dans quelque soit côté yo pour yon servir avec la population, pour yon faire un servir comme bouclier humain. Après tout crime yon fait, dans la mi-temps communauté, eh bien, yon servir avec moun sa yon. Pour yon kap di que la police vient faire massacre dans la zone yon. Mais kounye, là yon gagne des officiers, des militaires, là yon gagne des policiers qui dans unité spécialisée yon, qui déploye des lè dans l'opération yon, pour yon c'est des mobs dans la population, femmes kou garçon. Si moun ta kou grand moun kap lanse coup de bouteille, kap lanse coup de roche, kap lanse cocktail molotov sou yo. Mdou fam, kou ti moun piti, kou garçon kap lanse bouteille, roche, cocktail molotov sou policier yo nan kad opération ki yo tal mené. Ça veut dire songe dans village de Dieu. Les policiers yo tenant ça, là ont une situation difficile là. Yo te di que policier, yo te di que population te envahi. C'est ça cause que les policiers qui ont perdu la vie dans le village de Dieu dans quatre opérations. Est-ce que nous sommes d'accord? Population gang qui dans quatre pour d'ailleurs, nous avons un barbecue. Ok? Te présenté, te dit, vive ensemble, que peuple dans quatre populaires. Est-ce que l'organisation qui a défendu le droit la presse traditionnelle, presse en ligne, je dis à moi que nous avons une responsabilité dans le combat qui est si difficile que les policiers. Que militaire, que officier qui dans mission a fait en Haïti là, dans le cadre guerrier urbain qui a fait là, il a besoin que nous gardions l'autre gens. Parce que la majorité de nous qui sont dans le quartier, surtout Bel Air, dans ce que officier ça, dans ce que militaire ça a partagé, dans ce que policier ça, dit à nous, eh bien, pas de innocent Bel Air. Si nous dans la population qui a arrangé, ou a tiré coup de bouteille, tiré coup de roche sous la police, yo tout fait choix, oui. Yo tout dit, mais qui côté, oui. Parce que je dis, Normil Rameau mande mariage, police et population. Mais police n'a pas capable de prendre bagage. Non mais population. C'est vrai après que la police a demandé pour population rete tête frette, pour rete calme, parce que l'opération qui a fait, c'est des professionnels qui a pas agi. Ils vont faire massacre. Mais est-ce que vous pensez, yon nèg qui passe à l'académie, yon militaire qui prend formation en dans pays à coup de pays, li pral rete pour wè mob dans population a tiré coup de roche sur lui? A tiré cocktail molotov sous blindé et que vous l'avez mené opération. Nous garantissons une situation qui est très difficile. C'est pour ça qu'elle attire attention. Organisation qui défend le droit de l'homme. Nous attirons attention. Confrères, les médias peut-être qui parlent de nouvelles. Pour yo parler avec la population Bel Air. Oui, et pas seulement Bel Air. Tout côté qui a les foyers de gang, qui connaît à n'importe moment, qui est capable de mener des opérations dans la zone Zao. Parce que comme c'est Bel Air qui est dans l'actualité, on n'a pas de Bel Air. Mais c'est un peu l'autre côté qui a des foyers de gang, que bandit au fond de la population, et bandit aussi au contrôle des populations. Bon, moi-même, je pense que l'action, ça, c'est pas une question de contrôle population. C'est pas bandit qui dit population, même pour y aller tirer roche, pour y aller tirer bouteille. Attendez, la police vient mener opération. Moun la affronté, c'est des moun qui viennent zam nan men yo. Nous a dit que force yo proportionnel. Parce que si la police a utilisé fusil M14 ou bien M4 ou bien M1, bandi yo a utilisé fusil sa auto pour tirer sur la police. Ou même qui dit ou trouve une situation difficile, c'est qui to pa ka quitter zone nan,
c'est l'autre côté pas pour aller faut arrêter pour la police à faire opération pour yo remarquer parmi monde qui tire coup de bouteille qui tire coup de roche sur la police ou tout dit automatiquement ou fait partie foyer réseau criminel là je dis c'est pour tout dans tout quartier côté qui gagne gang yo si monde qui dit dans population il a fait partie gang là yo dans gang là pour afficher pour la police qu'on est qui position qu'elle doit gagner pour l'armée d'Haïti qu'on est qui comportement qu'elle doit gagner et je dis ya ministre justice et sécurité publique là il est important pour te bailler un ultimatum pour tout le monde qui va gagner un pour avec gang yo quitter espace gang yo laisse aller la police aller tout le monde qu'elle croiser là va connaître que c'est gang yo et sécurité en rébellion parce que yo doit obtempérer avec la justice yo doit obtempérer avec l'ordre que la police bail depuis yo pas faire la situation yo pratiquement carré des choix yo cap blessé mortellement yo cap maîtriser arrêté par la police la situation. Désir, ça que m'apprendre que collaborateur nous Claude partagé avec nous pour journée et qui c'est mercredi 28 d'août là, n'apprendre que la police force de l'ordre continue à mener des opérations en dedans Bel Air dans bas Delma. Dans zone Delma 18, corridor Bastia. Zone ça, la police, l'armée, officier kenyan yo pour après-midi qui était après-midi qui était mercredi 28 août 2024 là, zami interne k'ap gade émission ça dans moment quelque soit cotoyen, mais pour après-midi mercredi 28 août 2024 là, la police force de l'ordre continue à mener des opérations dans fief gang yo dans Badelma, Delma 18, des corridors Bastia dans Bel Air. Ça veut dire force de l'ordre mobilisée pour capable contrecarrer action gang. Et moun dans quartier Solino que nous connaît qui va suspendre victime de action malhonnête en bas mais groupe gang Kempes dans Bel Air qui mettait avec groupe gang barbecue qui toujours fait de assaut sur moun nan Solino mais moun nan Solino selon ça que nous apprend yo camper avec policier yo camper avec force de l'audio pour yo bay ou bourade pour aider yo dans bataille dans goumen affaire parce que pas oublier moun Solino toujours dit yo pas quitter bandi vinn prend Solino. Yo pap kite ni Kempes ni barbecue salien vin pran Solino parce que yo di yo pa gen l'autre côté pour aller c'est là où gen pour rester qui donc y a goumé du bec et des ongles avec la police mette bon côté la police pour combattre bandi armé yo donc je dis hein est-ce que ça que PED Gérard mon ami te dit hein que ni mandé et pas seulement mandé hein et que PM ga reconni mandé hein qui c'est mariage police population est-ce que moun Solino comprend ni est-ce que commencer rentrer là-dedans est-ce que dans l'autre zone qui côté que moun yo pas accepté pour que yo fond dans mitan bandi yo est-ce que yo pral tande appel ça qui c'est mariage police population parce que moi je dis ça des ici hein bandi yo pas gain état d'âme bandi pas gain état d'âme bandi pas gain maman pas gain papa pas gain si pas gain ça bandi pa gen ça lek ouais les bagages la compliqué pour lui premier moun la manger ou même la manger bon ce barbecue te dit nan moment ou te dit les des salines t'a goumé c'était nek tête grain qui t'a attaqué des salines c'est pour ça qu'il t'a attaqué tout le monde question qu'on pose est-ce que dans l'autre zone qui gen gang yo est-ce que population pareil m'a dit oui dans département de l'Antibonite 14 d'août population prend la rue pour aller chercher la police 28 d'août yo prend la rue et pour y aller chercher la police. Non, et commissariat Toussaint Louverture dans ville Gonaïve pour dire au paré pour mener opération contre gagnon qui achète département l'argent comptant et exiger recommandement la police yo exiger gouvernement pour penser avec question insécurité qui gagne dans département de l'Antibonite parce que l'on regarde département de l'Ouest li vini premier par rapport avec pour quantité gang qui gagne quelqu'un la donne mais si vous regardez département de l'Antibonite li vini en deuxième par rapport avec quantité gang et si vous regardez en termes de superficie en terre département là Tibonite déjà plus gros que département de l'Ouest. Soit regarder en termes de quantité de monde qui vivent dans département de l'Antibonite, il vient tout de suite avec département de l'Ouest. Gain nécessité pour autorité agir et population dans département là Tibonite de station li parer pour accompagner la police dans tout niveau, dans toute dimension pour craser gang yo dans niveau département. Malheureusement, autorité on a plus au niveau semblé pour qu'on gain département là Tibonite dans plan yo et population pas attendre encore la situation. On vient avec PM Gaïkouni. Vous avez la parole. D'abord, merci beaucoup, messieurs et dames de la presse, qui nous viennent là jeudi. Nous venons là parce que probablement nous constatons depuis hier matin, avec DG la police là. Très bien. Probablement que nous constatons depuis hier matin, la police avec l'armée, supportée par mission internationale là, commençait l'opération dans la ville là.
pas faire pile commentaire sur opération parce que opération est en cours. Mais ce que nous constatons, c'est que comme promis, nous commençons à avancer sur la question de sécurité, caille par caille, quartier par quartier. Je dis à Mbin là parce que Mbin, en cas d'opération, nous avons 3 policiers blessés avec 2 civils. Bonne nouvelle là, c'est que messieurs, yo, bien pris en charge, Mbala à tous les 5, ils ont tous en pile courage. Histoire Mdaïm nous rapporter là, je dis à que y a plusieurs qui ont pris balle déjà l'opération, ils ont fini de prendre balle. Yo guéri et puis retourner vin goumen pour nous pour sécurité pam pour sécurité pa nous. C'est un niveau d'héroïsme extraordinaire et tout dim que c'est tant y'a tant yo sous cabanan là pour retourner la bataille. Donc ce sont des jeunes engagés mais qui comprennent situation paré pour yo bay vie et moi me saute là vraiment inspiré et me dar aimer nous aider me dit population haïtienne sacrifice y'a fait. Nous même l'état responsabilité nous c'est pour nous accompagner policiers qui prend responsabilité pour nous. C'est pour ça que je dis à ma discussion déjà avec le ministre Finance là, pour ça ne pas le faire pour question prime de risque, ça ne pas le faire pour question assurance pour eux, ça ne pas le faire pour nous supporter famille ou leur blessé comme ça ou bien leur mourir. Mais ma profiter des populations, me fatigué vin ouais policier qui prend balle, me fatigué à l'enterrement policier parce que une question de sécurité, faut nous résoudre les. Et résoudre là pour le prendre temps, les pour le prendre patience, les pas rapide, mais nous pas faire bac. Nous pas fait bac. La demande d'engagement toute société, la demande de solidarité communautaire, la demande pour peuple haïtien jouer rôle. Situation sécurité ça a affecté nous dans la capitale là mais l'affecter tout pays. Faut nous tout nous prendre au sérieux. C'est engagement ça que m'gain pour nous. Premier engagement c'est pour me supporter policemen yo cap goumen pour nous dans des circonstances très difficiles et deuxièmement c'est pour nous assurer nous que communauté a tout li ka jouer rôle et que moi m'aider jouer rôle. Donc c'est ça que je dis aujourd'hui. Je bien plus pour nous avant cette semaine. Je discuté avec l'autre membre d'État pour nous prendre des mesures concrètes pour nous accompagner la police, là, pour nous aider le faire travailler. Dans les prochains jours, nous demandons à la population d'être vigilant, d'être calme. C'est pour ça que nous avons déclaré l'état d'urgence. Nous demandons de coopérer avec la police, l'armée et la mission internationale avec nous. Nous demandons leur information, c'est pour prendre courage, pour partager avec nous. Nous demandons leur danger pour la police. Là. C'est pour être capable de dire nous qu'il y a un danger sous la police, pour la police ne pas venir atterrir là. Nous avons demandé pour continuer à faire une confiance parce que nous n'avons pas avancé et nous pas fait bac. Nous voulons nous comme ça, nous disons ça déjà, film ça n'a pas aucun genre fini, autre que nous reprendre territoire, nous reprendre possession du pays nous, et nous reprendre destinée. Nous.